Mes cerisiers, c'est Rosalys, salut! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Animal Crossing New Horizons où je vais visiter une de vos îles juste après avoir tourné l'épisode de Let's Play sur ma chaîne principale. Allons-y! Aujourd'hui donc, nous allons visiter l'île de Sela Satam. Alors c'est parti! Sachant que je venais d'inviter au camping notre ami Janou. C'est parti, du coup, on va aller dormir. J'ai failli dire, ah bah tiens, je pourrais utiliser ce lit-là pour rêver. Sauf que ça ne fonctionne que sur les lits qui sont à l'intérieur de chez soi. Bon, allez, direction chez moi. Donc, c'est la Satan. Qui est membre de mon fan club Sakura. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi partager votre code onirique si vous souhaiteriez que je visite votre île en rêve. Pour ça, il suffit de laisser un commentaire sur ma chaîne principale et si vous êtes membre de mon fan club, je viendrai visiter votre île. Donc, je prends les codes oniriques dans l'ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. Serena, bienvenue, les champs oniriques, regorge de rêves magnifiques. Que puis-je faire pour toi? Avant de visiter son île, je vais mettre à jour mon île à moi. Voici mon code onirique, DA blablabla. Mettre à jour le rêve. Confirmes-tu vouloir mettre à jour le rêve de l'île Rosalima? Oui, mettons-le à jour. Splendide, je vais donc me connecter à internet et accéder à la librairie des rêves. Voilà, comme ça, vous pourrez visiter mon île avec les petits changements qu'il y a eu aujourd'hui dans Let's Play ce matin, notamment l'ajout du raton laveur. C'est un ajout majeur. C'est la petite touche Morgane, la petite touche tradition japonaise que Morgane adore. Et voilà, la numérisation et le téléchargement réussi. Le code onirique reste le même. J'espère que ton île fera des rêves heureux. Et maintenant, je veux rêver. Je vais donc établir une connexion. Oui, vas-y. Avec quelle méthode souhaites-tu que je trouve un rêve? Utilise un code. Quel est le code onirique du rêve de ton choix? Alors... Allons-y. 6. 3. 2. 2. 3. 9. 4. 3. Mince, c'est un 4. 4. 0. 0. Continuez. Merci, je te prierai de patienter un instant pendant que j'explore la librairie onirique. Le code onirique que tu m'as fourni correspond à une île appelée Kawaii. Est-ce correct? C'est correct. Oh, j'aime bien le nom. J'espère que tout sera super mignon du coup, avec ce nom-là. En fait, surtout avec ton pseudo, je me dis, je me prends à espérer qu'il y ait genre des motifs Sailor Moon, ou des trucs Sailor Saturn, ou que tout soit en violet, ou que voilà, il y ait quelque chose. C'est la découverte. Oh! On aperçoit des lions en pierre là-bas. Maintenant, ouvre les yeux. Oh! Un drapeau Pikachu. Hop là. Le drapeau. Pour commencer, je vais jeter un œil sur la carte. Oh, il y a plusieurs résidents. Migou. Et Damien. Scooter. Oh, je l'ai jamais vu. Anne, Raymond, Pécan, Molly, Agnès, Neferti, Paolo, il est marrant. Rose. Ah bon? Octave. Une cochonne nommée Rose. Ok. Oh, j'ai même pas regardé la forme de la carte. Waouh. Ok, j'ai compris. Ah bon, je parlais de raton laveur. Voici où tu as mis ton raton laveur. Oh,
mais en fait, tout est aligné en ligne. Oh, ah si, ça mène quelque part. Est-ce que c'est le spot photo ici? Bon, j'active les trains miniatures. En fait, la nuit, ça doit être intéressant ici avec les spots. Le coin salle de sport. J'active tout, moi. Oh, je suis coincée par le ballon de basket. Alors, j'ai vu qu'il y a un petit chemin par là. Oh, je peux pas monter, j'ai pas d'échelle. J'espère que t'as prévu une rampe. Le camping, des pierres. Tiens, des clochettiers. C'est une forêt de clochettiers? Oh, la forêt de clochettiers. Attends, excellent. Je crois que je vais prendre une photo ici. Je suis cachée par la forêt de clochettiers. Qu'est-ce que je fais comme expression? Attends. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est le meilleur endroit? Ouais, peut-être avec les petits, comme ça on voit que c'est une forêt. En fait, il vaudrait mieux pas que je zoome trop, quoi. Ah, et quand on est parfaitement aligné, on voit pas qu'il y a une rangée derrière. Oh, c'est pas mal, ça. Une expression. Et voilà. Sauf que je regardais pas. Et voilà. Excellent. Bon, bah, on peut tout secouer, hein, c'est un rêve. On peut même prendre. Oh là là, dans le rêve. Oh! Attends. Le fantasme. Est-ce que je peux me faire 1 million de clochettes en piquant tous tes sacs de clochettes, là? Peut-être, hein, vu la quantité de clochettiers qu'il y a. Eh mais, en fait, tu fais comme Morgan. Lui, il se sert des clochettiers comme décoration. Il trouve ça joli. Sauf que toi, c'est à plus grande échelle. Hein. Et tout est bien aligné aussi, contrairement à Morgan. Oh là là, c'est marrant. Et alors, du coup, soit vous vous entendez très bien, les deux personnes qui jouent, soit c'est toi et toi-même et tu t'es fait un deuxième personnage sur la même île parce que... pour que ni l'un ni l'autre ne prenne les paquets de clochettes, quand même... À votre avis, on va jusqu'où comme ça? Je pense qu'on va se faire le million. Hein. Oh, mon porte-monnaie est plein! Quoi? Comment ça, je peux pas... Oh. Mon maximum, c'est 97 780. Bon. Ben voilà. Merci, merci. Oh, c'était très rigolo. Alors, des étoiles. Parterre de fleurs. Oh, un satellite. Y a-t-il quelque chose par là-bas? Oui! La plage secrète! Alors, attends. Oh, c'est joli, ça a l'air d'être un coin Pokémon. Je vais explorer ce coin ici, là, avant d'aller faire la suite. Oh, c'est le coin étoile? Ah, ça mène au musée! J'ai cru que ça mènerait à un coin astronomie. Alors ici, j'ai vu qu'il y avait une entrée secrète. Teddy Ursa. C'est trop mignon. Oh! Plusieurs Pokémon. Air de jeu. Oh bah tiens.
piquant. Qui es-tu au juste? Je ne t'ai jamais vu par ici, tu viens explorer les environs? Ah, peu importe, dans un rêve, tout le monde est un peu en exploration. Multipass. Oh, Scorpion. Oh. Ah, c'est des statues. Ok. Oh. Si, je peux y aller. Deux maisons. Ah, toutes les maisons sont là? Ok, on va explorer la maison. Toc, 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 il y a du courrier. Bah alors là, tu m'as bien surprise. Oh! Me dis pas que dans chaque pièce il y aura presque rien. Après, le sol et le papier peint sont bien assortis. Ah, la cuisine, il y a bien des choses. Ça, je voudrais voir ce qu'il y a dedans. Alors, pièce de gauche maintenant. Salle de bain. Ouais, c'est ça, salle de bain et toilette. Bah voilà. Attends, il y a deux toilettes. Ça, c'est toilette japonaise. Moderne et tout. Trop bien. Et ça, c'est toilette occidentale. Oh, mais tu mets le Kagami Mochi dans les toilettes? Il va avoir une drôle d'odeur, hein, le Mochi. Alors, maintenant, sous-sol et étage. Sous-sol. T'as l'impression que c'est sur l'île de Joe, au tout début, si tu customises pas... la pièce. Alors, l'étage. Ah! Il y a des objets. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Des fichiers. Oh, machine à écrire. Oh, c'est rigolo. Ok. On ressort. Du coup, je tombe directement sur le quartier résidentiel. Je suis peut-être allée un peu vite quand j'étais en haut à gauche. J'ai dû louper des trucs, des décos. Ah ouais, le petit truc qui redescendait. Attends, déjà, je vais voir ces trois maisons. Oh ! Une autre maison ? Ah, ça veut dire que du coup, les deux personnes de l'île ont les maisons au maximum. Oh ! Welcome. Oh, les photos. Salle de bain. Ah là, les toilettes sont roses. Ok, donc c'était la salle de bain en haut. Est-ce que sur le modèle de l'autre maison, est-ce qu'à droite c'est la cuisine? Oh non! Tiens! Une pièce aquarium! Waouh! Cette maison est pleine de surprises. Oh, un sac d'argent. Oh, une table Pikachu. J'essaie de prendre l'argent. De toute façon, je peux pas en prendre plus. Sous-sol. Oh, c'est une salle de jeu.
Ok. Étage. Ce Kotatsu! Les motifs avec des écritures en hiragana. Oh, mais c'est trop bien! Comment as-tu ce Kotatsu? C'est trop cool! La bibliothèque aussi est sympa. Oh, l'horloge! Wow! Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Oh! J'allais dire, je peux pas y aller. Oui, c'est parce qu'il y a le coussin. Cool. Ok. On va parcourir l'extérieur. À moins que... Attends, il y avait une petite maison au centre. À quoi ça correspond? On va prendre le chemin. Qui habite là? Scooter? Toc toc toc. Je crois que ça tombe bien. Je crois que c'est l'animal que j'ai jamais vu. Oh, canard. Fais comme chez toi, surtout dans nos rêves. En fait, tu devrais me dire, fais comme dans mon rêve. Il a une déco assez sommaire. Ok, suite de l'exploration. Donc là, on est au bout. Oh là là, mais en fait, c'est marrant. Du coup, sur les... sur le muret là, impérial, il y a de la neige qui est entassée. Je n'avais point vu. Alors, il y avait des choses que je n'avais pas vues au bord de cette île, je pense. Oh! Raichu. Ah bah c'est juste ça, un point d'observation. Ok. Bon alors on descend. Fleur. Des fleurs. Celles-ci, elles sont protégées. Noël. Canard. J'ai vu qu'il y avait des choses au fond. Ah! Oh! T'aimes bien les statues de poissons, hein? Le coin pirate. Ça fait partir le poisson. Wow! Stand. Est-ce que je peux jouer? Ah ouais, c'est pratique. Tiens, salut toi. Paolo. Qu'est-ce qui se passe? On se connaît? Mais surtout, où est mon oreiller? Ah, c'est marrant de mettre des étoiles à l'entrée-sortie du pont. Attends, je vais continuer d'explorer ce coin. Le poisson lune. Ah ok, je suis au bout. Oh, le fougou. Ok, on va aller prendre le pont. Yo, oh, pousse-toi. Le coin arctique. Ah, c'est bien vu le motif là sur le sol, ça rend bien. Le lit arctique. Il doit faire frisquet. Ah, du coup, je reconnais là, on... C'est par là qu'on passait au début. Ouh, le coin doré. Nice. Un coin musical. Oh, des bambous. Ah, comme ça. C'est marrant les petites entrées. Ah, je vois quelqu'un. Damien, bienvenue. Oh, super belle ta tenue. Coin musical, donc je disais.
Oh, le violon, il est en hauteur. On peut quand même y jouer. Une pyramide. Oh, le coin Godzilla. Des statues. Coin résidentiel avec des étoiles. Oh, le coin jouet. Ah, c'est sympa. Ah, d'accord, c'est peut-être un endroit où on n'est pas censé aller, mais c'est pour l'exposition, j'imagine. Ah oui, c'est ça. On peut pas y aller. Enfin, en tout cas, moi, en rêve, je peux pas y aller. Oh, il a un nœud Pikachu, lui. Tiens, quelqu'un là. Migou. Kamehameha! Dis donc, la collection de statues de poissons. Cromlech. Ah bah voilà, Raymond. Hé, hey, tu sais ce qu'on fait là? J'étais en train de regarder les trains et pouf, je me retrouve ici. Alors, résidence, résidence. Ah, il y avait encore quelque chose ici. Attends. Le coin bonbon. Popcorn. Pagode. Les lunes. Lapin. On aperçoit au loin les clochettiers. Ah bah oui. Les clochettiers qui n'ont plus de clochettes vu que j'ai enlevé. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus qu'à se réveiller. Veux-tu te réveiller? Je veux me réveiller. Alors du coup, je me réveille, je sauvegarde Animal Crossing New Horizons et je lance aussi sec le Let's Play Animal Crossing Pocket Camp, toujours sur cette chaîne, sur Rosalys Gaming. On enchaîne. Je vais peut-être prendre juste 2 minutes pour passer aux toilettes et on enchaîne. Me voilà réveillée. Alors. Mes cerisiers, j'espère que cet épisode visite d'île dans Animal Crossing New Horizons vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour un nouveau Let's Play Animal Crossing Pocket Camp. A tout de suite!